Alors bonjour à tous, on est sur la huitième vidéo de la Guilde des Voleurs. Le Angela, titre de la mission c'est crois que certains commencent à suspecter l'identité. la Moment poursuite, est-il mission venu SS, pour vous la poursuite. d'affronter la Donc voilà, Guilde? donc on a retrouvé Kyria dans la crèche percée. Le but Ouvrez c'est l'œil et de faites dénoncer attention. Mercer J'ignore ce qui va nous dans ses attendre une actes. fois dans la citerne. Alors donc on est parti. Alors, je sens qu'on part sur un bon accueil parce qu'elle est censée avoir tué Galus. Donc on va se la donner, hein. J'espère qu'on ne va pas combattre. Je ne sais pas si j'ai les gens sur 3 ans, j'aimerais dépêcher un peu. On va la surprise. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez intérêt à avoir une bonne raison de débarquer ici avec cette Je équipe. vois rien, voilà. Je vous en prie, baissez vos armes et parlons. J'ai la preuve que vous avez été trompé. Pas dans Tourloup, Carlia, où je vous mets en pièces. Quelle est cette preuve dont vous parlez? J'ai le journal de Galus. Je pense que vous trouverez son contenu troublant. Voyons ça. Non, c'est impossible. C'est Bon. impossible. Je connais Mercer depuis trop longtemps. C'est vrai, Brignolf. Tout est vrai. Mercer vole la guilde depuis des années, juste sous nos yeux. Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier si ce que dit la princesse est vrai. Delvin, il me faut votre clé de la chambre forte. Attendez un petit instant. On va aller voir le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la preuve que Mercer se sert dans notre coffre depuis des années. Galus enquêtait là-dessus juste avant d'être assassiné. J'adore quand il lit les livres, Comment il va toujours très très vite, je sais pas si j'ai vu tout à l'heure. Il a lu impossible. deux pages et il connaît tout le bouquin. Cette porte a le meilleur mécanisme de verrouillage qui existe. Elle est impossible à crocheter. Il n'a pas eu besoin de crocheter la serrure. Qu'est-ce qu'elle raconte? Utilisez votre clé sur le coffre, Delvin. Une fois ouvert, nous saurons si c'est la vérité. Toujours cette fameuse clé, hein. Enfin, on en déduit. Alors. J'ai utilisé ma clé, mais le coffre est toujours hermétiquement fermé. Maintenant, utilisez la vôtre. Paris 8. Plus rien. Tout a disparu. Ah, tout le monde ça à c'est l'intérieur. étonnant. Ah oui, il y avait des coffres, hein. L'or, les joyaux, tout a disparu. La femme ordure, je vais le tuer. Vex, rangez ça tout de suite. Il faut garder notre sang-froid. Calmons-nous et réfléchissons. Fais ce qu'il dit, Vex. Ça ne sert à rien pour le moment. Bien, nous ferons les choses à votre manière, pour l'instant. Delvin, Vex, surveillez la cruche. Si vous voyez Mercer, dites-lui de venir me voir sur le champ. Bon. Brignol, avant que je puisse vous aider à pourchasser Mercer, je dois savoir ce que Carlia vous a appris, dans le moindre détail. Mais pas grand-chose, hein. Sans aucune explication. Elle essaie de monter ma veine contre Mercer. Il y avait autre chose? Je l'ai toujours craint. Dans la dernière entrée de son journal, Galus avait l'air d'être... Autre chose? Quoi? Les rossignols? Mais j'ai toujours cru qu'ils n'existaient pas. Elle ne vous a rien dit d'autre? Alors j'ai une tâche importante. Je veux que vous vous introduisiez chez Mercer et que vous mettiez la main sur tout ce qui pourrait nous indiquer où il se... Ouais, un cadeau des ronces noires après qu'ils aient expulsé la famille qui l'occupait. Un endroit appelé... Il n'y est jamais. Il se contente de payer l'entretien. Il a engagé un voyou du nom de Vald. Faites attention, l'ami. C'est le dernier endroit. Trouvez un moyen d'entrer. Trouvez ouais, l'information et partez. Vous avez la permission de tuer quiconque se mettra sur votre chemin. Parfait. Faites attention, Chema. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il Bonne question. Me dire Je n'y ai mis les pieds qu'... Si vous arrivez à contourner son chien de garde, je pense que la meilleure alternative est la rampe qui mène au balcon du deuxième étage depuis le jardin. Non,
C'est une sorte de dispositif improbable. Je pense qu'un projectile bien ajusté sur le mécanisme de la rampe devrait la faire tomber. Bon. Alors. Sortie à gauche. On va sortir pour là. Alors, on va directement aller à la maison de Mercer. Celle-là. Non, c'est l'autre porte. Alors, il est où le gardien? Là. Je sais pas si je vais savoir tirer entre la grille. Non, que dalle. Bon, voilà, l'ouvrir. C'est quoi l'expert? Bon. Oh là, ça m'énerve. Faudrait que je monte le crochetage. Voilà, alors une flèche devrait suffire, ce serait tout le monde en plus. Voilà. Alors on referme. Toujours refermé derrière. Il y a une clé. Super, il a la clé. Alors j'ai lu où le mécanisme sert de ce petit truc là en bas. Et voilà, c'est pas. Bon, on va voir ce qu'il y a dans la maison. Alors, l'épreuve. Par là. Il y a quelqu'un quand même. Les développeurs se disent tiens, on va passer un petit coup de jarret là, à notre pays là, pour qu'on se fasse pas trop chier quand on joue. Ça a rien à voir avec l'histoire. Ah, ah bah je suis là tombé. Alors. On se met tout. Protéger son truc. Hein. J'aurais pu faire un peu de chance en ce moment. Ça. Tant pis. Hein. Non, je crois qu'on est. Ah oui, il a bien protégé son truc. Il ne nous apporte rien. Ah tu sais bien que j'ai une galerie là sur les yeux. Alors on va juste découper les galeries parce que bon c'est un peu long. On va directement aller voir Brignolf, ce qu'il va nous dire. On a ratissé la ville et j'ai parlé à tous les informateurs qu'il nous reste. Aucune trace de Mercer. Tu m'étonnes, c'est bien fait la malle. Il veut voler les yeux de Falmer. S'il met la main dessus, il va disparaître pour de bon. Ça ne fait pas un pli. Je suis d'accord. Il a pris tout ce qu'il restait à la guilde, et maintenant il prépare l'un des derniers grands coups de l'histoire. J'ai parlé à Carlia, et lui bon. Fait des excuses au nom. Vite, il n'y a pas une donc seconde à perdre. Donc c'est moi ça, j'espère. Voilà, la mission est finie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et un petit like, ça me fait plaisir.
Allez.